fait quelque chose? C'est censé me donner un coup de fouet. Mais je sens pas la différence. Tu sais, entre nous, on aurait dû demander plus d'argent. Beaucoup plus. Je suis sûr que ça faisait pas partie du contrat. Et je suis prêt à le renégocier. Aussi, faut voir avec la dame à l'étage du dessous. Mais je te le déconseille. Aucun doute. T'as les anticorps. Merci beaucoup. Attends quoi? Tu es la clé pour sauver le monde, Jake Müller. Je vais d'abord me sauver moi. Juste l'équilibre. Ça va. Chérie Birkin, à vous. Ouais, content pour toi. Mais c'est pas le moment. Tu viens? Après toi. Ces choses étaient des javots. Ce sont eux les armes biologiques des insurgés. Voilà qui explique la présence des troupes du BSA. Donc, on doit quitter le pays sans attirer l'attention de l'une ou l'autre des parties. Bonsoir, Teddy. Bonsoir, Oranor. J'espère que vous allez toujours bien. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que je le kiffe, Jack. Donc là, c'est bon. J'ai trop de fenêtres ouvertes. Ok, donc là, j'essaie de me remémorer les touches, hein. Ça, c'est la touche, ok. Bon travail. Merci. Ravi qu'on soit. Ah, moi aussi. Bon travail. Ok, merci. Tu retournes sur le stream de Raiden. Allez, Oranor te dit bonsoir également. Bonsoir. J'essaie de faire en sorte d'avoir les deux chats en même temps, mais... Ah, les deux chats, c'est impossible. C'est pour ça, en fait, que j'ai... Ah si, j'ai réussi, j'ai... En fait, je l'ai fait en... J'ai pas mis Streamlabs en full screen. Donc, du coup... Ça va, j'ai deux chats. Ok, ben moi, j'ai mon chat. Et puis, ben, au fur et à mesure, s'il y a des questions, ben, je compte sur toi. Si je peux pas avoir les deux chats de mon côté. Ça marche. Hop. Donc je vais rester sur la scène là. Et du coup, bonsoir Oranor. J'espère que le son est bon aussi. Normalement, oui, il n'y a pas de problème. Et re Teddy. Oui, Teddy est parti te voir. Hein. Je te l'envoie. Je te le il donne. Il est chez moi. C'est pas vrai. Alors. Ah ouais, du coup, ouais. Ah oh, ouais, elle est nerveuse, chérie. Ah oui, t'inquiète. Comme toujours. Allez, je te suis cette fois. Ah ok, vas-y. Honneur aux dames. Hein. Première à se faire attaquer aussi. Et première à mourir. Exactement. Ah bah j'ai pas besoin de flingue. Ah oui, il se bat au corps à corps. Ah bah c'est plutôt cool. Ok. Donc là, je présume c'est qu'il faut courir, hein. Ah oui, il faut aussi préciser que je découvre ce scénario. Aussi. Je ne spoilerai rien. Oh, bon, tu sais, pour me spoiler... Mais sur quoi vous tirez? Chacun des hommes de ta section sont des javots, maintenant. Et tu es habillé comme eux. Voilà. Viens, on doit sortir d'ici. Oh, ça, c'est cadeau. Tu l'as vu au-dessus de...
De la porte. Ouais. C'était mon fou. Ah. Un moment où ils vont exploser. T'as du popcorn. Ah, pour qu'on puisse leur tirer dessus. On n'a pas le temps. Désolé. Là, j'ai vraiment du mal. Hein. La reprise sur plus compliqué. Ok, oui. Bon, je vais attendre un petit peu. Après, je te suis, hein. Je sais pas par où il faut passer. Oula. Attention, il y a un lance-roquette juste à côté de nous. Oh merde. Je voulais son arme, hein. Oula. Ok. C'est compliqué, hein. Là, genre le mec sans tête a mis 15 secondes à mourir. Le temps que son corps comprenne sur. Sûrement. Ouais, faut pas rester à l'extérieur. Ouais, à mon avis, ouais, il va falloir courir. Hein. Bon, bah, on court. Bon, bah, je cours comme si ma vie en dépendait. Ah. Ça commence bien. On est tout de suite séparés. Pourquoi j'ai ça? Donc je prends ça. Oh là là. Là je vais être un tout petit peu perdu, tu vois. Alors. Je suis le chemin. Ouais, c'est ce que je vais faire, je crois que c'est le plus simple à faire. Ok, j'ai pas envie de le taper, bah je cours. YOLO! Ah ouais, bon, on n'était pas séparés si longtemps. Heureux. Très bien, voilà mes conditions. Je veux toucher 200 000 d'avance, et 200 quand ce sera fini. Pour les armes biologiques, il y a un supplément. Ce sera 1000 de plus. Par tête. Je suis pas venu pour t'engager. Hein? T'es là pour quoi, alors? Pour ton sang. Tu bosses pour la Croix-Rouge? Non, écoute. Ces choses qui nous ont attaqués, elles ont été exposées à un virus. Le virus C. Ouais. C'est justement la souche que tu viens de t'injecter. S'il ne t'a pas affecté, c'est parce que tu possèdes les anticorps. Nous sommes confrontés à une attaque bioterroriste mondiale et il nous faut trouver un vaccin au plus vite. S'il te plaît, aide-nous, Jake. Il nous faut ton sang. $50 million. Quoi? En cash. Non négociable. En échange, un demi-litre. Il est bon en affaire. Bien sûr. Donc les points d'habilité, ok. Je vais dire là, il y a encore une caisse, mais non. Ce n'est pas une caisse. Je me suis trompée. Tu vas te blesser en tapant ça. Mais non, t'inquiète. Hop. Ah, une bœuf, sans s'en souvient à quoi ça sert. Oh bah oui. Ah bah ça commence déjà. C'est pas de ma faute, hein. J'ai ripé. J'avais tombé dans le vide. J'ai ripé, chef. On dirait qu'ils nous attendent. On va devoir leur tirer dessus. Je suis d'accord. On n'a plus le choix maintenant. J'ai pas de balles. Ah, tu bah, te débrouilles. D'accord. Coucou. Je récupère les points. Hein. On va voir. Bon, après là on suit. Ouais. Ah ouais, j'avais pas prévu ça. Sérieux? Wow. Bah, il y en a pas l'air. Tu joues avec la visée comme ça, de ce côté, j'entends. Non, en fait, c'est juste, je sais pas, j'ai l'impression en fait que la sensi. En fait, j'ai vraiment du mal, quoi. Elle est élevée. Bah ouais. Mais après, la visée, elle est pas non plus top, quoi. Et je peux pas choisir le.
Le fait soit de tirer en... Enfin, normalement, si, je dois pouvoir choisir le fait de... Ah, de tirer en... Ra... En rafale. Tu peux voir sur triangle. Je crois que tu vises et triangle. Ah ok, comme ça, ouais, je trouve que ça va être mieux. Souvent, les gens préfèrent quand c'est à droite. Bah moi, pour le moment, ça me dérange pas tant que ça, le système de visée, parce que bon, je vais m'adapter rapidement. Le problème, en fait, c'était que en fait, elle tirait en rafale. Et moi, ça, j'ai pas l'habitude. La speed des balles. Bah ouais, surtout à rien, quoi. Déjà que j'ai un tout petit peu de mal à viser. Si en plus je gaspille des balles. Bah, elle est où ? Bonsoir Black Fall. Un petit coucou et bon live. Bah merci. Bonsoir, bonsoir. Il y a un emblème juste devant toi là. Ah ouais. Attends, j'essaie de bien viser. Eh ouais, ça y est, first try, t'as vu ? Ah, j'ai pas de vision. Ah, c'est dommage. C'est honteux. Donc là, c'est là d'où je viens. Je suis en fait, ça servait à rien que je te parle. Peut-être pour l'emblème ? Non, je... Ouais, ouais, ça servait à rien, puisque bah si. Peut-être tu pouvais pas... Ouais. Non, c'est peut-être pour te faire descendre l'échelle. Cet endroit est bourré de pièges. Je dois faire attention. Tout simplement. Alors, à mon avis, je dois redescendre aussi. Il y en a qui arrivent à jouer, peut-être viser à gauche comme ça. J'aime pas. Bah non, je préfère la viser comme ça. Après, c'est une question d'habitude. Ouais. Voilà pourquoi je prendrais pas Sheva. Bon, Sheva, je fais la moitié du... du jeu comme ça, mais dès que j'ai accès à la matraque électrique, ça sera matraque électrique. Pour moi, c'est la meilleure arme. Oh, on va se marrer. On dirait que ça va. Ah ouais, pas t'inquiète être pas. Je maîtrise dans le 5. Hein. Tu sais pas tout. On verra ça. Qu'est-ce que j'aime pas ce niveau en fait dans le scénario de Chris et de Pierce. On pourra sûrement pas quitter ce pont. Bah, c'est justement sous le pont qu'il y a un homme. Bah ouais, justement. Ils sont plus résistants que tu crois. C'est dommage que je peux pas régler le. Il meurt quand lui ? Maintenant, ok. À l'attaque. Ah, je peux le marquer, c'est nouveau ça. Non mais, cherche pas. Hein. Cherche pas à parler. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon ça ne va pas. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord que pour économiser des balles, faut aller à la manière forte. C'est pas en leur tirant dessus de toute manière que tu vas les faire peur. Regarde lui. Golemon. Il y a un fusil, il ne tire pas. On tire d'abord, on discute ensuite. Toujours. Je crois que c'est la meilleure des solutions même. Merci. De rien. Je continue ma route. Hein. T'es derrière ou... Pareil. Ah non, même. Je trace, hein. Je cours tellement droit que je me prends tous les murs. Ouais, bah, surchauffe les ennemis, donc vous êtes le 5. Ah bah, on verra, hein. Ah, c'est toi qui as dû faire exploser le truc, non ? Non, il y avait deux coups de pied qui te font plus de dégâts qu'une vingtaine de balles, logique. C'est la logique du jeu, Uranor. Je crois en fait que les balles, c'est vraiment le truc juste pour les affaiblir, quoi. Et après, tu y vas au corps à corps. C'est la meilleure méthode. Enfin, pas contre les boss. Pas contre un métro. On va ou on fuit ? On court. Ils sont trop nombreux. On va devoir fuir. Lève-toi. Ah, c'était beau. Tu sais que moi, je suis en train de prendre mon temps, je sprinte pas. Hein. Ah ouais. Pourquoi faire ? Pour le beau jeu. Allez, on a notre copain. Bon alors, on va où ? Merci !
Genre courir quoi. Ça c'est ton plan. Non mais tu sais qu'un boss comme ça, moi ça me fait stresser. Ah ouais, 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 trop de pression. Lui court vite. Oh, je me retourne pas, hein, tant pis. Faut y aller. Elle fait pas 20 kilos hein. Déjà, je survivrai. Pardon. Pardon. Ravi qu'on soit. Il nous poursuit. Enfin, il te suit, toi. Ah, ben, d'où il sort celui-là? Et c'est un petit. C'est un petit kiff, toi. Il y a des munitions ici. Alors, ce qui est toujours assez amusant, c'est qu'en fait, on n'a pas les mêmes objets, selon nos points de vue. Ouais. Comme la dernière fois, j'avais droit à une herbe et toi, t'avais à des, c'était des munitions. Il y a un emblème pour toi, normalement, ici. Ouais, ici, dans le coin. Bien vu. Une petite arme. Ah non. Ah bon. Des points d'habilité. Ah, je préfère. Un jaloux. Exactement. Hop. Des petits soins, ça fait plaisir. Après, ben, je peux redescendre. Il n'y a plus rien. Là, il y a des munitions. T'es parti où? J'ai fouillé un petit peu avant d'aller à la porte. T'as pris les munitions qu'il y avait. Normalement, j'ai rien loupé. Normalement. Ouais, normalement, moi non plus, j'ai rien loupé. J'ai récupéré des soins. Mais toujours pas de spray de premier secours. C'est un tout petit peu embêtant. Ouais, j'en ai pas aussi. Donc en haut, j'ai récupéré. C'était juste des points et l'emblème. Bah, je crois et que c'est une herbe. Allez, c'est parti. Regarde, on peut sortir par là. Bah, c'est bon, il y a qu'à sauter, on court. C'est un peu haut. Bon, quoi qu'avant, ils ont fait un saut de. Je ne sais combien. Ce bâtiment va s'effondrer aussi. Quelqu'un doit appeler un architecte. Oui. Oh, il fait encore plus froid ici que dehors. Merci. Oh, ça. C'est... La petite mallette. Habilité. Oh, ah, ça, c'est bien. Ah, c'est. Tu sais, les grenades que je ne peux pas utiliser, enfin, que je ne sais pas utiliser, que je sais poser, mais ne pas déclencher. Attends. De poser avec comme ça. Ouais. Après tu vises. Ouais. Et tu tires. Ah ouais, faut viser. Ouais, viser pour prendre la télécommande. Ah ok. Ah, c'est bon à savoir. Tu vois, j'en apprends tous les jours. Et lui aussi va commencer à gueuler. Oh. Bon sang, ils sont ici.
Attends, j'attends 2 minutes qu'ils avancent. Ces enfoirés n'ont vraiment rien de mieux à faire. Badaboum. Joli. Joli. J'apprécie vraiment. Merci. C'est pas la modestie qui va m'étouffer, hein. Exact. Je ne dis rien, mais bon, tu vois, je... Quand il faut le dire, voilà, il faut le dire. Par contre, qu'il y a beaucoup de barils comme ça, moi, ça me fait un petit peu peur. Non, faut pas les péter. J'apprécie vraiment. C'est vrai. Bon, je dis rien, mais faut pas les péter. Y a rien, hein. Ouais, faut y aller à la porte. Faut que... Attends. Ici, il y a des toilettes, il doit y avoir des herbes, des grenades et compagnie. Toujours comme ça. Ben... J'ai des points. Il n'y a pas d'emblème, rien. Non. Par contre, il y a vous des. Vous êtes dans les toilettes masculines. Bon, d'accord, je repars. Hein. Ferme la porte, surtout. Il n'y a pas de porte. Par contre, tu vois, juste le truc, avoir un baril juste à côté de la porte, je trouve ça super suspect. Et c'est trop grand, tu vois, comme zone. Souvent, on se fait bien attaquer, on se fait rusher. Bon, je dirais, je te suis quand c'est comme ça. Bon, on va ouvrir le compteur de Morrissey, de toute manière. Pourquoi là, ils disent une arme bah... Attends, non, c'est parce qu'en fait, sur mon retour, j'ai... C'est en haut. Ici. Tu peux peut-être me faire à courte échelle, non? Ah, elle est où? Comment on fait appeler? Parce que j'ai trop d'icônes, là, tu vois, déjà sur l'écran. 2 icônes, c'est beaucoup trop. Et comme j'ai l'icône avec une petite arme, je dirais pas non. Hein. Bien que j'ai déjà la matraque électrique, mais bon. Oh, un magnum. Oh, j'adore. Ah, du coup, je vois aussi le point, là. Bah ouais. Ah, ici, il y a des points, une caisse. En fouillant. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Là-bas, il y avait quoi? Là, c'est des points. Putain, j'arrive pas à l'avoir. D'où il sort, celui-là? Bah, du trou. Ça m'en dit beaucoup. Après, là-bas, on a quoi? J'apprécie vraiment. Les jeux pour l'arme. De rien. Donc là, il n'y a plus rien. Je pense qu'on va pouvoir aller à la porte maintenant. Ouais, ouais. Attention, derrière. Ah bah, j'ai cru que c'était toi. Tu sais que le chemin qu'on vient de faire, là, monter les escaliers et tourner, tourner. Ouais. On va devoir le faire. Dans 10 secondes. Je le fais tout doucement. Par contre, attends, je vais juste changer d'arme. Voilà, ici, comme ça. On est obligé? Ouais. Oh non! Pas lui! Je te laisse gérer ou bien... Oh, tu le gères! Ok, bah, suis. Tu peux pas l'éliminer, non? Si, il va bien falloir qu'il l'accepte. Autant tu vois les tyrans ils me font pas peur mais autant lui il m'impressionne tu vois. Et je crois même que je connais le chemin. Pour survivre. Ah, par contre, cours pas dans le mur. Je le gère au prochain tour au tonneau, hein. Ouais. On fait chacun notre tour. Ouais. Allez, cours. Tu ne prendras pas de Jake. Génial. Chacun pour soi, tu sais. Où elle allait? Ouais. Ah, t'as sauté. Il va te suivre, du coup. Ouais. T'inquiète, je remonte. Ah, c'est pas ça me stresse. Parce qu'en fait, toi, t'as passé par où? J'ai suivi le chemin. Ok. Tu sais qu'il y a plusieurs chemins. Génial. Oh bah c'est bon, hein, tu sais, je sais aussi me diriger. Hein.
Il charge. Ah, il est malin, hein. J'espère que t'as pas oublié mes 50 millions de dollars. Ouais. J'en parlerai déjà à mon chef. Oh. Si on s'en tire vite. Ah, en plus, c'est une foule dessus. Excuse-moi. T'en as pas marre là de me piquer mes kills? Qu'est-ce que t'as en foi? Mais piquer les kills, j'ai rien fait du tout, j'ai glissé. Ouais! Oh. J'ai cru me le prendre. Mais il peut pas mourir lui! Tu l'as aveuglé? Sérieux? Bah, ça a pas fonctionné. Ah, bah ça marche pas sur. Non, mais par contre, ça a fonctionné sur celui de derrière. Derrière toi? Ah bah. Ça, c'est du travail d'équipe. Aïe, ouais, vachement. Alors, moi, je passe à côté, je récupère les munitions, tu vois. Allez, viens me voir. Viens. Mais par contre, j'ai. C'est pas vrai, ça commence à virer au cauchemar. Mais au moins tu es vivant. Je parlerai à mon chef, ça aurait été drôle qu'elle dise. Mon cheval. J'apprécie Teddy. Ouais. Attends, bouge pas. Ah. T'as pris des doliprane? Ouais. Normalement, ça c'est censé soigner un petit peu. Ouais. Donc là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Je t'assure, j'ai cru me faire choper deux fois. Deux fois que je suis passée à côté de lui, deux fois qu'il m'a... Bon, il m'a snobé, tu vois. Dans la jungle en Amérique du Sud. L'ennemi nous avait encerclé. La deuxième a été belle. Je récupère les munitions, il passe à côté de moi, quoi. Et il te charge. Ce connard est venu avec un couteau. Il pensait pas que je méritais. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Il n'y a rien de pire que d'être tué à l'arme blanche. Ah, les mannequins de R7. Les mercenaires choisissent pas comment. Au moins bien fait. Ouais. C'est comme ça. So creepy. C'est un peu le principe de ton boulot, non? C'est une chose. Une herbe? Pour l'argent, c'est mon choix. Mais mourir sans vraie raison, c'est hors de question. Bon. Est-ce que tu vas me dire ce que c'est que cette grosse terreur et pourquoi elle essayait de me tuer? Cette chose est identique au Javo. C'est une arme biologique créée avec le virus C. Elle est utilisée par une organisation terroriste, Neo Umbrella. Ça me dit rien. Ils veulent étudier les anticorps de ton sang. Ils se fichent que tu sois mort ou vivant. La vie de mercenaire était meilleure. Je ne laisserai personne te faire du mal. Ah bon. Le monde a besoin de toi. Non. Ce serait chacun pour soi. Hein. Je croyais qu'elle disait ça pour faire genre ouais, c'est mignon et tout. Mais en fait, non, bah non. C'est. Et moi, le câble de moi. Okay, dans l'angle comme ça, le truc, ça fait super creepy. Au fond du mur. En fait, quand tu mets ta lumière, ben ouais, c'est creepy, mais voilà, sans plus. J'ai cru qu'il y avait en fait un mob. Ah. merci, hein. Je fais qu'est-ce qui me tombe dessus. Sorry. Bah, ça va, hein, tout à l'heure, c'est moi qui t'ai fait le tour. Qu'est-ce que tu fais? Y'a personne? Bah si. Bah. Bien. Moi je vois personne. Ah ouais, y'a l'emblème. Attends. Je crois mais que je t'ai fait un headshot. Moi c'était pour tirer loin, mais toi tu peux te toucher. Heureusement, tu vois que le tiramis n'est pas activé. J'ai bien hésité si je l'active ou pas, mais j'ai bien fait de pas l'activer. C'est là que je me rends compte en fait que je suis une véritable partenaire en carton. Je suis mort plus de fois par ta faute que par ceux des ennemis. Mais vraiment, hein. C'est pour ça après il faut me donner une matraque et voilà. D'accord, d'accord. Ils vont se transformer, non?
Ça ne sert absolument à rien. Là, il n'y a rien. C'est tout bon? Ouais. Let's go. Ravi qu'on soit amis. Bah ouais, moi aussi. Chéri Birkin, sécurité nationale. Chéri Birkin, vous étiez à Raccoon City. Comment vous savez ça? Claire. Quoi? Vous êtes Chris? Ma sœur m'a beaucoup parlé de vous. Chris, c'est un insurgé recherché. Oui, c'est un mercenaire, mais il est sous la protection du gouvernement américain. Il ne menace pas le BSAA. Sauf si on paye pour le faire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Oubliez. QG à équipe Alpha. Les renforts sont dans l'impossibilité d'atterrir à cause de la DCA. Abattez-la. Reçu 5 sur 5. Bon sang. Le radar détecte un énorme signal. Il se dirige vers vous. On connaît depuis 4 minutes, mais c'est cool qu'on soit amis. C'est clair. Sans la sable, absolument rien. Je vais tirer dessus. La première cible est là-bas. Ah ouais, toi tu te mets directement dans la maison et tu me préviens pas. Bah, il a dit derrière moi. Oui, bah moi je continue au bout de la rue, tu sais, rester derrière. Je peux me débrouiller et vous avez besoin d'aide. Yep. J'en écrase des cervelles, hein. Oh, des... T'as des problèmes? Je suis un peu sur le monstre. Ouais, je te vois. Je lui tire dessus, moi, tu vois. Bah, t'es tombé. Et je me fais tirer dessus aussi. Des pièces à l'arrière en haut. Ouais, attends, je suis en train de régler le compte de plusieurs javots qui essayent de me tuer littéralement. Ok. Bah moi j'ai aussi des intelligences aussi artificielles. Ah, j'aime pas qu'on fasse pas mieux. Au secours. Oh la vache! Ah bah tu sais quoi, mais je préfère rentrer! Ça dégage! Non, c'était dehors qu'il fallait les mettre! Ils sont posés! Tout le monde recule! Ok, tout le monde recule. Il y a encore une teubée qui ne veut pas reculer. En fait, le réticule, je le vois à peine, quoi. T'as mis quoi? T'as mis le réticule ou t'as mis le laser? J'ai mis seulement le petit point rouge. Il doit avoir le laser. Ah.
des munitions. Oh merde. Ah, t'as encore l'eau. Attends, j'arrive. Bah, j'ai été récupéré, il y avait des. Des munitions et tout, donc. J'ai serpillé un petit peu. Les gens. C'est pas comme ça qu'il faut faire. En mode économie. Voilà. Génial. Ah bah ça c'est à moi. En mode raptaille, tu sais. Tornado DDT. J'ai l'impression après, en fait que ici c'est chacun pour soi. Ça va être chaud. Vas-y, pousse-moi, je dirai rien. Vu comment j'ai laté, ça a dû faire mal. Je pose des explosifs sur les canons anti-aériens. Ça risque d'être long. Essayez de me couvrir. Encore quelques minutes. Oui, belle. Il va arriver par où? Par là. Tu l'as émasculé. Oh oui. Là, je lui ai écrasé sa cervelle en plus. Enfin, je lui avais écrasé, il me semble. Mais il les a toujours pas posés, ces explosifs. Attention derrière. Hein. Merde. Oula. Je vais me taper. Non, excuse, c'est juste que voilà, hein. J'ai vu des monstres, j'ai cru que t'étais un mob, et puis voilà. C'est ça arrive. Bah, t'avais qu'à mieux t'habiller aussi, hein. Ah, bah oui, bah maintenant c'est. Ils sont posés. Tout le monde recule. Ok, tout le monde se barre. Okay. Chacun pour soi. Ah. Bah alors. T'as tombé? Ça fait 2-1. Encore un canon. Ça fait mal? Il y a une empreinte géante qui se dirige vers vous. C'est celle qu'on a perdue aux deux de cœur. Alpha, préparez-vous à tirer. Ok. Bon bah. Allez, plus vite. Je vais la rendre un passage souterrain. Ah, moi je suis près du monstre. Même si je pense pas qu'en fait là quand on tire ça fait quelque chose. Attaque en titan, tu sais. Le truc. Ouais. Je sais pas si t'as fait le jeu. Un des deux jeux. Non. Mais je connais deux noms. Les jeux sont vraiment top. On n'aurait pas dû passer par là. Non plus. Non, bon, on va faire. Dans le bâtiment aussi. Bon, y a moyen, t'inquiète, on va faire le tour. Je crois qu'il s'est sauté aussi. Donc, mets tes cours vite et cours comme si ta vie en dépendait. Mets tes cours vite. Ouais. Ok, je cours vite. Ouais, bah, pas trop vite non plus. Hein. T'es sûr que c'est ici qu'il faut aller? Faut pas aller là-bas au bout de la rue? Il y avait le trou là, hop. Vous voyez? Ah, j'aurais pas passé par là. J'aurais continué. Il y avait Chris et machin, faut les suivre. Ah, mais ils sont partis trop vite. Oh non, c'est toi qui es sorti trop vite. Ah! Qui c'est qui a encore fait une bêtise? Hein? C'est toi. Ah! Ouais. Allez, tiens, prends ton doliprane. Attention, on a donné. Ah oh bah. C'est pas de ma faute, hein. Elle est quand même très très radine, hein. Bah, si t'en veux donner plusieurs, faut que tu spammes quand tu soignes. Ah, ok. C'est bon à savoir. Là, j'ai fait ce que l'écran m'a dit, hein. M'a dit appuie une fois ou voilà, quoi. Tu te débrouilles, quoi. Je le laisse mourir comme une merde. Écoute, j'ai dit que j'étais une bonne partenaire jusqu'au bout, hein. Attention à pas te reprendre un bras, hein. C'est pas moi qui décide, c'est la surprise. Ça risque d'être long. Essayez de me couvrir.
Ouais, ils ont pris trop d'avance, c'est un truc de fou. Bah, ils ont couru comme si leur vie en dépendait, hein. Et là, t'as essayé de me pousser, ah oui. Alors. Non. Oh, sniper. Le doliprane qui fait repousser les jambes, c'est beau les progrès de la médecine moderne. C'est sûr. Mais après, voilà, c'est les doliprane de base. Juste pour un mal de tête, hein. Et si on les laisse se débrouiller un petit peu? Tu peux. On lui aurait juste fait faire le tour du bâté de maison, je pense que ça aurait été mieux. Oh merde, il a pris un camion. Oh ouais, mais t'inquiète, c'est pas pour nous. Sinon, je l'aurais senti. Par contre, je me fais snipe. Attends, j'allais lui régler son compte. Mais qu'est-ce qu'il a avec moi? Lâche-moi! Il y a deux snipes. Génial! Tous les canons anti-aériens ont été détruits. Bon travail, Alpha. Mais c'est pas fini. L'équipe est contre la base de l'air sans doute pas éliminer l'autre arme biologique. Essayons de toucher depuis le temps. Ouais, derrière, il y en a deux. Il y en avait encore un aussi plus haut. Alpha, ici Echo. Regardez le dos de cette chose. Cet appareil est connecté aux organes qui la maintiennent en vie. Tentez de trouver un moyen de la rentrer. Bah, genre, depuis tout à l'heure, il n'y avait pas calculé en fait qu'on essayait de tirer dessus. Ça y est, il y a mal à sa tête. Tu peux lui sauter dessus, il n'y a pas de problème. Faut la tirer dans la rue en face de moi. Et tu es. Ferro foncé. Tu verras un petit truc. Et ben on va la tirer. Hop. Voilà, normalement là il y arrive. Hein. Il a attrapé quelqu'un, il va le bouffer. C'est bon, là il y a à terre. Tu peux peut-être lui sauter dessus, non? Pas encore. Pas encore. Dans le vide, par contre, là c'est moi qui va attraper. Ah, il a cassé ma mitrailleuse. Quand tu te prends une balle de snipe, tu finis au sol avec un grand A. Après 30 secondes, tu te relèves, l'air de rien. Bon, c'est clair, hein? Non, en fait, c'est bon, j'ai rien. Pose de fil pose en devenir. Mais ce jeu est quand même d'une logique. Oh. Il y a encore un snipe, je me fais encore bien sniper. Oh oui. Hop, maintenant. J'ai pris des cachetons, normalement ça devrait être bon. Hein. Vous avez tous la même gueule pour moi, désolé. Pour qui se prend? Je dois me tromper. Je vous souhaite bonne chance. D'une chose. Monsieur Müller demande une compensation pour sa coopération. 50 millions de dollars. Oui. D'accord, je comprends. Je vais lui dire.
Alors, marché conclu. C'est bon, marché conclu. C'était facile. Ouais, au fait. Ce type avec qui t'avais l'air tout émoustillé. Tu parles de Chris ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a ? Laisse tomber. Donc, grosso modo, après le métro, l'ambulance, moi j'ai pas envie de mourir là. Hein. Ah bah pourtant. En plus, non. Oh mon dieu. C'est lui. Le fanboy. Le fanboy. Sinon, il va nous écraser. Il va pas nous lâcher. Coucou, c'est moi. Super, je commence à avoir plus de munitions. Et on a vu d'autres. Enfin, tu les as pas prises. Non, je les ai pas prises. Ah, ici. Ah, là, il y a même du soin. Oh, un spray, mais j'ai plus de place. Déjà ? Bah ouais. Tu sais, moi j'ai beaucoup de grenades et compagnie. Ouais, par contre, coucou. Ah, il est malin, il jette grenades en plus. Ah, l'enflure. Ouais, j'ai même pas le temps de viser, quoi. Bon, il est où, là? Ouais, on va pas mettre assez de dégâts, je crois. Bah, j'ai sorti le magnum, pourtant. Ah bah. Qu'est-ce que vous attendez ? Bah 2 minutes ? Et non, c'est pour avertir que Teddy a écrit un message sur mon chat à. Pour Lyon en fait. Ah ok. Et il est armé en plus. Oula. T'as besoin d'aide ? Non, tranquille. Ça va le faire. Attends, je suis sur une mitrailleuse. Par contre, il n'y a pas de visée. C'est horrible. Ah, je peux prendre des tirs. Bah, autant pas que je me relève. Ah, mais laisse-moi me lever. C'est tellement horrible. C'est tellement chiant en fait quand t'as pas la un truc de visée. Ça commence à devenir tendu. Non. Même pour moi. On ne peut pas survivre notre attaque. On doit détruire ces missiles. Je vais plus lire entre les lignes. Yo. Oui. C'est des coups qu'il faut détruire. Ah, bon, moi je tire sur lui. Moi je tire sur lui, hein, tout simplement. Hein. Moi je vois un gros méchant pas beau, moi je tire dessus. Hein. Ah, par contre, vive la surchauffe. Je l'avais pas vu. Moi non plus. Ah, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti. Hein. C'est pas possible. Attention, il y a un autre missile qui arrive. Hein. C'est pas ma guerre. Ouais, c'est pas ma guerre, mais voilà quoi. Aïe, ah bah si, c'est la mienne. C'est qui se fait avoir, c'est nous, hein. Pour changer. Ouais. Bon, là, il est bientôt mort, il n'y a plus qu'un hélico. Bon, après, à moins qu'il saute sur le nôtre. Sure. Ça fait un petit remake de Code Veronica.
Tu sais, tu peux te baisser aussi avec X. Ah ouais. Le temps de la surchauffe. Du coup, des choses que j'ai pas aujourd'hui, c'est génial. Ah ouais. Tant que tu t'amuses à tirer sur moi, bah, je me protège. Donc c'est un peu plus. J'ai vraiment des mauvais réflexes, quoi. Mais une meilleure précision, pardon. Non, Renor, c'est juste parce qu'en fait, il y a... Sur la chat, on m'avait sûrement identifié, et comme j'y suis pas, je peux pas lire non plus les messages de son stream. Je vous remercie, Teddy. Bah, vraiment pas mal, hein, pour le premier chapitre. Par contre, là, tu me fous des coups de pression. Ah, il n'y vache pas. Hein. Je crois que là, même, tu peux même screener l'écran, parce que aucune mort. Oh punaise. Tu as vu ça? Aucune mort. C'est dommage. C'est bizarre, non, si je peux pas. Ah bah si, je peux faire cher, je suis bête. Hop là. Parce qu'il faut savoir, Oranor, parce qu'on a déjà fait le scénario de Léon et de Elena, qui est disponible d'ailleurs en rediff sur la chaîne, que, en fait, à chaque chapitre, j'avais une mort épique. Et sur la chaîne de Raiden, tu as le condensé du... on va dire du LP, hein. T'as fait un gros best-of de près d'une heure dessus. Ouais, mais que du premier stream encore. Ouais, que du premier stream. Mais il y a déjà pas mal de choses. Imagine, rien que pour le premier stream, il faisait 2 heures passées, tu as réussi à avoir 1 heure de bon moment. Imagine ne pas mourir en hélico, salopard. Puis le pire, c'est que ça enfonce. Hein. Perso, moi je dis rien, je suis responsable. Je pense que je vais mettre ça. J'arrive tout de suite, je profite que c'est... Ouais, ok, je suis là. Entre guillemets. Pas de problème. Épique, quel genre? Ben, dans le genre où je préviens qu'il y a un métro qui arrive et manque de bol, ben, je me le prends. Il y a un moment, quand on a la station essence, il y a l'ambulance qui fonce sur nous. Et en fait, moi, je regarde l'ambulance, au lieu de me décaler, ben, je la regarde et je me la prends de plein fouet. Donc tu vois le genre comme ça, quoi. Après, voilà, il y a des trous, bah, je tombe dans les trous. Va savoir pourquoi. Ouais, en fait, c'est beaucoup des morts, en fait, où je préviens, je vois, mais je ne fais rien. C'est juste le truc pour faire des morts. Mais c'est vraiment pas mal, hein. Mais la plus belle, c'était quand même avec le métro, parce que dans la partie d'avant, je fais attention, il y a le métro qui arrive. Le métro passe, et juste après, ben voilà quoi. Il n'y a plus du Yu, parce que Yu, elle se retrouve sous le métro. Et l'ambulance aussi. Hein. L'ambulance, on voit bien la scène où l'ambulance, elle arrive. Et en fait, normalement, on a le temps de partir sur la gauche, il me semble. Ouais, il me semble que ouais, c'est bien sur la gauche qu'on peut partir. Et en fin de compte, moi, je reste là comme ça, comme une conne. Je fais ok. Bon, après, voilà, ça fait une mort en plus. Re. J'expliquais mes morts à Oranor, surtout celle du métro et de l'ambulance. De quoi? J'expliquais à Oranor les morts que j'ai eues dans le premier scénario.
Avec l'ambulance et le métro. L'ambulance, c'est le pire. L'ambulance, elle est jolie. Hein. Même le métro, je te préviens, je fais attention, il y a le métro, bam. Il n'y a plus de métro. Elle le crie. Attention à le métro. Et paf, voilà. Tu me le dis hein, quand je peux... Ouais. Je t'aurais prévenu. Tu peux me dire ce qui vient de se passer? C'est compliqué. C'est peut-être avec ton sang qu'on devrait tester des vaccins. Ils l'ont déjà fait. Au-delà du supportable. Qu'est-ce que tu fais? On n'a plus de données. Quelles données? Les tiennes. Tes analyses de sang. Ton génome. Tout ce qu'il nous faut pour élaborer un vaccin. Non. Tu veux dire tout ce qu'il me faut pour avoir mes 50 millions. Bon. Viens, Supergirl. On va les chercher. J'ai sauvegardé tes informations sur des puces électroniques. Bon, c'est juste les petits aléas de la vie, hein. Comme le dit si bien Orano. Oui, en fait, j'avais juste une poutre en acier, c'est heureux, c'est rien. Un peu d'aspirine et on est reparti. C'est clair. Ah, ce passage-là, il est chiant. Hop. Du coup, pour moi, c'est le dernier chapitre, après je couperai le live. Ok, bah pareil de mon côté. Puis il y aura la rediff, la full rediff, elle sera sûrement demain en fin d'après-midi. Et après, format épisodique, je pense, une fois que le LP sera fini. Du moins du scénario là. Yep. Et demain, je commence le deuxième stream seulement. Ah ouais. Moi, demain, je pourrais pas. Longue. Après mercredi, je pourrais. Jeudi, jeu Platinum Warriors Orochi 4. Et vendredi, c'est full enfin, Final Fantasy 14. Bon. On va d'abord trouver les données. Faudra qu'il me redonne les jours. Alors, ouais. Ces données qu'on doit trouver, elles nous concernent. Hein. Il y a trois puces en tout. Je les ai perdues dans le crash. Le capteur nous indique. Bah, normalement, le jeudi après, tu pourras prévoir qu'on pourra stream si tu veux. C'est juste que là, en fait, je suis à deux doigts de décrocher mon platine et que je veux le caser, quoi. Ah, c'est sûr. Hein. C'est comme moi pour RE2, j'ai voulu l'avoir en stream. Ah, et puis là, moi, c'est pareil. Là, si je veux, je peux le faire en épisode. Hein. J'ai qu'un chapitre à finir, et puis voilà. Le problème étant que non, je veux le faire en stream. Ah, le sniper. Oh oui. Oh, mon sniper. Oh, mon bébé. On en parle du sniper que je ne sais pas utiliser. Ah bon? Ah, j'ai du mal à viser. Je te dis, toutes les armes, j'ai vraiment du mal. Par contre, faut que je fasse un petit peu de place, parce que... j'ai vraiment... j'ai trop de soins. Tu les as fusionnées, les armes? Ouais. Ah. Ah, c'est bon qu'on peut pas donner.
Pour te dire, j'ai même pas appris de spray de premier secours. Y'a vraiment pas moyen de donner? Non, c'est pas comme dans le 5 où... où tu peux donner quoi. Le seul truc que tu peux faire, c'est jeter. C'est con. Bah ouais. Même des fois, c'est changer les armes et tout quoi, ça aurait été top. C'est pas par là. Donc, c'est pas par là. T'aurais pu me dire que c'était pas par là. Voyons. Bah, je vais te dire. Bien. Bah voyons. Hein. En plus, on voit absolument rien. C'est honteux. Ils sont morts ou... Normalement. C'est quoi ces choses horribles? Ce sont des Javos. Ils se trouvent dans un... cocon. J'avais dit normalement. Pas joli. Bah j'ai passé juste au-dessus en fait. Je crois que ça en plus de... avec la matraque ça va tout seul quand t'arrives à bien les... Ah, j'arrive pas à viser, je vois rien. Non non plus. Attention, il y en a un qui arrive en bas. Bon bah va falloir avancer. On les évite ou... On va voir s'ils vont nous suivre ou pas. Ok. Je te suis. Sinon, il va falloir aller chercher la clé. Il se trouve juste là derrière. Ah, et puis en plus, il est armé. Et il y avait un sac, c'est un randonneur. Il s'est garé. Oula. Une autruche. Pas du tout, en fait. J'ai ripé, chef. Désolé. En avant. Oh. T'as besoin d'aide? Oh, en fait, plus maintenant. J'étais occupée. Excuse. Par contre, là, si on se fait rusher par l'autre... le fanboy, on est un petit peu... Wow. Un petit peu dans la mouise. Parce qu'on voit absolument rien. Elle est où? Elle a 50 mètres de moi. Ouais, je rush la clé. Enfin, les données... J'en ai une. Génial. Plus que deux. Plus J'espère que deux. Qu'on les trouvera avant de tomber en hypothermie. J'apprécie vraiment. J'apprécie vraiment. Joli. J'apprécie vraiment. Grazie. Bon travail. Merci. Par là. Non. Ça nous refait le même coup. Par là. Non. Mais si. Je sais ce que je fais. Par là. Je sais ce que je fais. Et là, j'ai dit ok, il me dit ça quoi. Je sais ce que je fais. Halt. T'as compris? Arrête. Et tu vois, elle a dit arrête, wow, tout simplement, parce qu'elle va... Je t'ai prévenu, hein, je t'ai dit d'arrêter. Il y a une matraque, lui. Ça, c'est beau. J'ai tout vu. T'as tout filmé. Oh. Frappe-moi. Allez. Ah, elle va recommencer. Frappe-moi. Ok. Avec le snap, c'est pas possible, apparemment. En avant. Par là. Par là. Par là. En arrière. Je peux continuer pendant des heures et des heures, tu sais. En arrière. Je suis un peu occupé, là. Enfin, je récupère s'il y a des trucs à récupérer. Ah oui, là, là quand c'est fini, bah oui. Là, tu feras attention parce qu'il y a une bonbonne. Je crois que c'est par là où il faut aller. Ah, je te suis. Bah, moi, je suis la carte. Hein. Je découvre. Hein. Je te rappelle, donc, si tu te perds, ne m'en veux pas. Non. T'as fini de me taper? La bécane que je t'ai mis.
Attends. Spam carré, je crois que tu m'as trouvé des trucs. Pas de la descente. Ah, j'ai rien du tout. Maman, t'as une plante bleue. Une fleur. Oui, une fleur. T'as une verte et une rouge, pas de la descente. Bah. Faut remonter. Ah, bah c'est bon, j'ai récupéré la verte. Hop, je la fusionne. Pourquoi fallait pas prendre par là? Tu as faussé ma route? Tu t'es trompé? Comment ça, j'ai faussé ta route? Non, là-bas en haut, il y avait quelque chose. Il y en avait une. Par là. Ouais, non, ouais, c'est moi, j'avoue. Je t'aurais bien proposé de se séparer, mais tu sais très bien mon... Ah ok, donc celle de là-bas, non. Fais demi-tour, c'est pas par là. Il y en a un qui fait mumuse avec le sniper. Ouais, mais je vois pas où il est. C'est bon, je l'ai trouvé. Il t'a tiré dessus? Ouais. Ah ça c'était beau. J'ai sauté dessus, je l'ai complètement loupé. Par contre là le snipe là qui tente de me tirer dessus. Il est où? Alors, normalement. Ok. Bah. Je suis retourné là où on était. Hein. Juste à côté, ouais, il y avait une échelle. Oh putain. Ça va ou? Bah ce sniper il me tire dessus mais j'ai pas de visu. Ravi qu'on soit amis. Grazie. J'apprécie vraiment. À l'attaque. En arrière. Très bien l'attaque. Halt. Par là. J'y vais. On voit vraiment que dalle. Ouais. Alors normalement, tu vois, ici, il devrait avoir quelque chose. Faut qu'on monte plus haut. Tu m'as fait monter là, pourquoi? Bah, il faut monter encore plus haut, normalement. Je sais pas, j'ai vu une échelle, je suis montée, hein. Soit à quoi ça sert. Voilà, c'est là. Oh la vache. Bon, bah, je redescends, hein. Non, c'est là. C'est là? Trop tard. C'est pas grave, récupère la clé là, je... Ah ça y est, j'ai récupéré l'herbe qui me manquait. Et il y a aussi un javot qui essaye de monter par la pente arrière. Ah. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je peux pas le viser, il est bloqué. Je bois un peu de... Ok. Au revoir. Non, il est pas tombé. Bon, on va prendre un chemin qu'on n'a pas encore emprunté. Je vais tomber par là. Hein. Je vais prendre par là, voir. Là, on fait le tour. Ah, en fait, j'ai compris. Tu vois, là, il y avait l'échelle où on était monté. Mmh. Fallait continuer. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. J'ai monté, j'ai voulu continuer, mais j'ai rien vu, quoi. Bah là, t'as marché sur de la glace. Ouais. Ah. Mais j'ai fait demi-tour. On voit absolument rien, quoi. Tu m'as loupé. Alors on a dit quelque chose mais j'ai pas compris. On m'a dit quelque chose mais je n'ai pas compris. Ah. Dans le jeu, tu sais. Il parlait pas notre langue.
Bien. Tu sais qu'il faut passer là sur le côté. Ouah, c'est dur, ça glisse. Je vais récupérer la clé ici. Ouais, je vais prendre les données. Enfin, la clé, c'est plutôt les données. Oh merde. On dirait une clé USB. Bon, celle-ci a l'air en bon état. Ouais. Elle okay. a l'air, hein. Encore une et c'est bon. Il va falloir prendre par ici. Oh, un pont. J'ai pas confiance en les ponts. J'avance doucement, hein. Ok. Non mais cours comme ça, tu vas le faire tomber. Il est pas solide le pont, je le sens pas. Vite, faut casser les trucs. Non, 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 casse pas les trucs, casse pas. J'arrive. Ne me fais pas peur. Pire, la caméra te met pas en confiance non plus. Non mais en plus c'est ça quoi, la caméra elle est vraiment horrible. Et surtout avec la tempête de neige que tu vois absolument rien sur l'écran. Et bah, si sur tu... retour ça va, hein, on voit, mais... Là, in-game, enfin pour moi, c'est pas du tout pareil. Hein. Alors, autant tu vois, la caméra dans le scénario précédent, elle était, bon, on va dire, potable, tu vois. Tandis que là, oh mon dieu, quoi. Bah, c'est le chapitre-là, je pense qu'il est comme ça. C'était pas comme ça, le premier, si? Non, il me semble pas. Et puis là, en fait, là, c'est la tempête de neige qui nous... Mais non, là, tu fais ça. Ah non, tu peux pas lui passer dessus. En fait, la tempête de neige nous aveugle totalement. À l'intérieur, il y a des trucs, hein. Parce qu'on a toutes les puces. Oui, merci pour ton aide. Mettons-nous vite au chaud. Genre dans la cabane, tu vois. Il y a une vraie cabane. Réfugiez-vous dans la cabane. Oh, elle doit être plus haut. Plus bas. Plus bas, en dessous. D'ailleurs, il y a une bonne cinématique que j'aime bien là-dedans. Alors. Regarde, là, est-ce que tu vois quelque chose? Tu vois absolument rien. Non. Oh, merde! Qu'est-ce que t'as fait? Ah bah, oh, la chance que je m'en rappelle, ouais. Là. Pourquoi? Prends ton sniper. Mets-toi à côté de moi. On est tout en haut de la tour, là en face. Un emblème. Ah, il était bien caché celui-là. Oh bah merci. Eh bah de rien. Non, on peut pas descendre. Et t'as pas gardé ton scooter des neiges par hasard. Comment dire? Il est tombé dans le vide. Ah. Il y en avait pas un deuxième? Enfin non, si, mais je l'ai pas vu. La lumière est suspecte. Bah tu sais quoi, j'ai pas confiance. Premier arrivé, premier servi. C'est moi qui aurais des patates chaudes. Non mais, t'as pas pris les bombes télécommandées. Là oh, t'avais des bombes, là c'est une bonbonne, là tu n'as absolument rien. Pardon. Ah, c'est parce qu'il y en a un, il est sur un scooter bazar. Tu veux te faire un kiff? Ouais, vas-y. T'as confiance en moi? Il n'y a pas moyen de monter? Ah non, oh, tant pis. Attends. Attends, les galères. Attends, je m'amuse un petit peu. Hein. Non, je me suis éjectée avant. Ah. Ah, quand même, hein. Faisons-le avec du style. Allez, c'est parti, on peut reprendre. De toute manière, il va falloir descendre. J'ai pas confiance en les véhicules, hein. Clairement pas. Non, mais sérieusement, quoi. Le seul véhicule maniable encore dans celui-là, ce que je trouve, hein, c'est le...
la voiture à la fin du scénario de Chris et de Pierce. Ah ouais. De tous les véhicules du jeu. Fais une glissade. Comment tu fais déjà? Tu sprint et tu L2. Attends. Ah non, voilà. Ah ouais. Oh bah du coup tu l'as fait à la fin. Oui, ben on peut pas tout, hein. Non, là il y a quelque chose à casser pour des points d'habileté. Ensuite, la cabane c'est où? Là-bas? On est encore loin. Ah, il fait froid, hein? Ça caille. On dirait la Lorraine. Ah, je ne dirais rien là-dessus, hein. Where are you? Ah! Je suis là! Ah ouais, bah je vois, mais il faut aller monter l'échelle dedans. Ouais. Pas y monter. T'es sûr? Ouais. Il y a une échelle où? Là. Ok. Tu connais Aveugleman? Non, mais je connais Aveugle Girl. Ah, ça on le connaît le chemin là? Oui. Ah, et la cabane est tout en haut. Non, fais pas ça. Ah, je ne le fais pas. Punaise. Bon bah je t'attends, hein. J'avoue, juste à la sortie, moi. Bah ouais, il est complètement bugué quand tout à l'heure je suis descendu, il était aussi là. On va attendre une que ça se calme, peut-être que je verrai mieux. Pas mieux d'aller là-haut, mais non. Ouais, moi je te dis, c'est tout à l'heure sur le chemin où j'étais que... Le GPS, il me fait faire n'importe. Il me redemande d'aller à la tour. Attends, hein. J'arrive. Alors. Ici, c'est là où on commence. Et avec ce temps de mouise, on ne voit absolument rien. Parce qu'en fait, pour eux, c'est là. Ah si, c'est bon, j'y suis. Ah ok, bah attends, je refais le chemin. Ouais, j'y vais en marchant, peut-être qu'il me rattrape. Et t'as passé où? En fait, quand t'as fait la glissade, tu pars à gauche, je crois. Bah attends... Au pire, t'appuies sur R1 et t'as le GPS. Ouais, c'est par là. Bah c'est ce que je vais faire, je pense. Ok. Tu es à 103 mètres de moi. Et je suis à 110 mètres de la cabane. Et je suis à 36 mètres. Ok, c'est en bas de la tour. Et pourtant, en bas, il nous a fait faire un super détour. Bah ouais, quoi. C'est vraiment stupide. Putain, GPS Capcom. C'est bon. Ok, là il va se réveiller. Un coup de matraque, on n'en parle plus. On va recharger. Attends, je mute 2 minutes. Chérie. Heureux.
reçu de l'aide. On doit plus être très loin du point de rendez-vous. Toujours eu ça, ce pouvoir de guérison. Mon père était chercheur. Il travaillait sur ses armes quand j'ai été exposée. Par chance, on a pu m'injecter le vaccin avant qu'il soit trop tard. Mais en fait, le virus a muté et s'est adapté. Et depuis, il est en moi. Et ton père, alors ? Ses recherches l'ont tué. Quand il est mort... Son corps avait tellement muté qu'il était totalement méconnaissable. Désolé. Je voulais pas te... Ça va. Au final, j'y ai quand même gagné quelque chose. Ouais, ouais, t'as des super pouvoirs. Non, je parle pas de ça. Les gens qui m'ont sauvé, Léon et Claire, ils sont devenus mes meilleurs amis. Claire, c'est la sœur du type du BSA. Ils ont risqué leur vie pour moi à Raccoon City. Je crois que... J'aimerais... Je voudrais suivre leur exemple. Ne jamais lâcher. Quoi qu'il arrive. En parlant d'arriver... On a des invités. Mais ils ont pas l'air d'être sur la liste. Ça peut jamais bien se passer, hein. Par contre, toi, tu dégages, hein? Ouais, je fous ça. Hop. Tu peux pas barricader les fenêtres, celui-là, hein? Non. Il y a les mutes et celui-là. Enfin, bah, ah, la caméra. Ouais. Ils vont commencer à muter là. Donc là ça passe. Il y a des missions. Il y a des points. Il y a toujours des points. Ça par contre je l'avais pas vu. Ah ouais. Ah des grenades. Super. Attends, ah, tu vois ce que je vois? Non. Une avalanche. On va courir. Et on va rouler. Je leur avais dit. Ah non non non, moi je sais pas, je fais comment? Tu vas avoir ta première mort en véhicule, je crois. Bah attends, je me barre. Chacun pour soi. Bon, il y a freiner et accélérer, les deux choses dont j'ai besoin. Non, tu me dépasseras pas. Non. Bouge-toi, bouge-toi. Que dalle, c'est chacun pour soi. Tu disais ? Il m'a poussé. Oh, arrête. C'était pas de ma faute. Hein. C'est toi qui ne sais pas rouler. La route est droite. Hein. La route est droite. Hein. C'est pas vraiment une route. Pourtant c'est pas difficile, hein, pour le moment. Ah ouais, tu vas voir après, ça veut montrer la forêt. Toi. Ouais, là dans la forêt je risque de... Vers la droite. Allez hop. Et j'ai réussi. Il y aura un emblème à écraser. Hein. Ah par contre l'emblème là ça va être autre chose. Quoi.
S'il est sur la route, tant mieux. S'il n'y est pas, tant pis. Si tu me suis, normalement, il est là, peut-être pas. Je tente déjà de survivre. Je pense que l'emblème pourrait attendre. Ralentis pas. Pas trop grave. Je vais pas me faire enterrer ici. Moi non plus. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je me suis pris? La rallonge. R.I.P. Non, là, il y a eu un petit bug, sérieusement. C'est pas possible. Dis que tu voulais l'emblème. Non, c'est pas de... C'est toi qui t'es fait chauffer. Si, non, je suis sûr que c'est de ta faute. C'est de ta faute. Rien du tout, je te dis. C'est de ta faute, je te dis. J'ai 100 mètres d'avance. Enfin, j'avais. Ouais, justement, t'as été trop vite. Et moi, je me bats déjà pour pas me prendre un arbre. Je zigzague un petit peu, là. Ouais, je galère pas, hein. Rentre-moi dedans. C'est toi qui as du mal à suivre. Pardon? Hey, je voulais pas non plus te laisser la seule mort, quoi. Ça aurait été vraiment stupide de ma part. Bah oui, forcément. L'emblème. J'ai fait exprès de mourir, hein. J'ai freiné, j'ai voulu faire demi-tour. Juste pour l'emblème. Il y a une avalanche, et toi tu dis tiens si je fais. Oh mince! En plus c'est trop tard. Oh, je suis morte pour rien, j'hallucine. C'était pas une super idée! C'est quoi de ça? C'est trop tard! Oh putain, c'est. C'est quoi de ça? Oh. Ouais, c'est bon, hé, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol, là. Il y a trop de trucs, ça y est, je les cumule, les morts. Je te dis juste le chemin, gauche, droite, gauche, droite. Non, le problème, c'est pas le chemin, c'est les plateformes, elles bougent. C'est trop tard. Regarde, se mettre trop... Je me bats avec ma manette, c'est pas possible. Non. Chacun son tour. Ça arrive au meilleur, hein, on disait. Non mais c'est bien, faut le dire. Hein. Moi je me bats déjà pour rester sur la neige correctement. Hein. C'était pas une super idée. Et la maniabilité, quoi. Paye ton permis. C'est trop tard. Je sais pas avec quoi c'est ça a été codé, mais sérieusement. Enfin, ça y est, quoi. Resident Evil Dark Souls like. Il y aura... Ça va être marrant le montage. En fait là, tu tiens ton best-of juste avec toutes les morts là. Hein. Clairement, je pense pas que tu puisses faire mieux. C'était pas une super idée. C'est trop tard. Même que je prenne, ça fait absolument rien. Et en plus, faut se... Bah allez, bon là c'était voulu. Là, c'était voulu. Ça, sincèrement, c'était voulu. J'ai voulu couper, puis en fin de compte, non, ça a pas suivi. Bouge Jésus. Eh, on va réussir à passer ce passage de mise là. Vas-y, fonce-moi dedans, je dirai rien en plus. Tu vas pas me toucher. Si, tu m'as foncé dedans. Je l'ai senti. Ah, y'a pas de témoin. Tu regarderas mon point de vue, tu verras. Déjà, même là, j'arrive même pas à tourner. C'est dingue, hein. Bon, là. J'ai cru que mourir. Let's go. Non! Non, j'étais moi! J'en ai marre! J'en ai marre de ce passage en mouise là! C'est pas une super idée! Non, c'est pas une super idée, comme tu dis! C'est trop tard! Oula! Cet enchaînement. Tu vois, j'étais bien partie. Hein. Non. Le malaise. Tu ne veux pas que j'avance, quoi, c'est tout. Pardon, mais je suis toujours devant toi. Regarde, la preuve. C'était pas en plus, t'es obligé de freiner à mort, quoi.
Et moi, je freine jamais. Hein. Bah, moi, je suis obligé parce que sinon, bah, ma motoneige part en cacahuète. Wouah, arrête, c'est une blague. Bah, freine, en fait, tu freines au niveau, au moment où tu tournes. Et ça va tout seul. Tu freines au moment où tu tournes. Moi, je freine jamais d'habitude. Je t'ai jamais fait en freinant, même si t'es trois. Bah, là, bah, faut freiner. Tant qu'en freinant, tu verras. Moi, je suis obligé de freiner à mort pour. Certes, tu ralentis, t'as pas l'impression d'avancer, mais bon. Voilà. Voilà, tu vois que je suis à la fin du truc. Vous partagez les défaits, c'est beau l'inversion des rôles. Cet esprit d'équipe magnifique. Ah, on est en total, comment on peut dire, en harmonie, voilà, en parfaite harmonie, tu vois, le truc. C'était pas une super idée. Ça n'a pas été plus simple que tu montes avec moi, non. Pourquoi on pouvait monter à deux? Non, mais ça aurait été plus simple. Ouais. J'y suis encore, et voilà. Là, non, là, ça passait. Mes deux petits rails étaient sur la truc, ça passait. Sérieusement. J'en ai marre. Hitbox en carton. Et là, tu vois, tu me fonces dedans. Mais je t'ai pas touché. Si, tu me fonces dedans, tu regarderas au best-of, tu me fonces dedans. Et c'est ta faute, tu vois, si je meurs encore. Ah oui. Bon, allez. Je démarre. Et je suis curieuse de voir à combien de morts on est. On verra ça à la fin du chapitre si on y arrive un jour. Oui, c'est vrai, tu vois, t'entends le bruit de la ferraille en fait quand tu me fonces dedans. Ah, c'est vrai. C'est pas que tu te mets devant moi aussi, quoi. Bah, mais tu prends toute la route. T'as vu, ça avance pas. Oh. J'y suis. Moi aussi. Bah, c'était pas compliqué en fait. Oh punaise. Ah, c'est pas GG, merci Uranor. T'en fais pas pour moi, je suis solide. Ah non, on doit trouver juste la sortie de la grotte, on va sûrement se refaire attaquer juste par le fanboy. Et après, c'est tout. Plus de 10 morts d'après Teddy. Non, moi j'irai 15 à peu près. Non, mais franchement, le truc, faut le dire, le passage là, il est vraiment dégueulasse. Il craint. Déjà en plus, j'ai commencé à mourir juste. J'ai commencé à mourir juste pour l'emblème, tu vois. J'ai voulu faire demi-tour. Wow. Ah bah c'est super. C'est ah, la chauve-souris invisible. Ça, c'est des chauves-souris ou des insectes? Chauve-souris. En tout cas, c'est invisible sur mon écran. Hein. T'as vu, je t'encourage, hein. Ah, là aussi, on va se marrer. Oh, le gros fanboy de service est de retour. Comment as-tu cette chose ? T'as bien Metal Gear Solid. Mmh. Ah là, ça va être le même délire. Là. L'infiltration. Ouais. Tu m'aurais dit Sekiro, bon. C'était la même chose, quoi. À moins que tu me laisses gagner du temps. Bah, je te laisse gagner du temps. Par devant. Ouais, attends, j'attends juste que le truc il vient. Parce qu'en fait, le genre d'insectes lumineux, le gros science sur okay. Merci. Du coup, je m'en occupe. Ok. Corps à corps. Merci. En fait, c'est dommage en fait que de là, en fait, on peut pas s'amuser à le. Sérieux ? À le snipe. Ouais, mais. Là, si tu te fais repérer en fait, à cause du bruit ou quoi que ce soit, il vient et tu pointes toi. Pas de problème. Oh putain. Je suis caché.
J'ai la meilleure planque du monde. On peut pas mieux. Et du coup, si tu fais rond, tu vois pas ce que je fais. Non, je vois juste ta position. T'es juste à 5 mètres en train de courir. Tu attends. Tu cours, tu attends. Pour l'instant, c'est bon. Donc, je suis sortie de ma poubelle. Hein. Prochaine poubelle, c'est pour moi. Hein. Ah ouais. Chacun sa poubelle. Hein. Tant pis. Hein. Là, il y a une poubelle, c'est pour moi. Je me cache. Hein. Pas mal. Pas mal. J'ai l'impression en fait de faire du Dead by Daylight avec les être enfermé dans la cachette pour échapper au tueur. Sur 36 cachettes, forcément il vient là où toi tu es. Hein. Bah ouais, surtout en fait quand tu affrontes la chasseuse, puisqu'en fait elle vient rechercher ses hachettes dans les casiers. Dans les casiers où tu dois te cacher. Enfin maintenant ça va avec la dernière paire, avec la dernière mise à jour avec la perks. C'est, tu peux te cacher dans le casier. Si tu restes plus de 5 ou 3 ou 5 secondes, je sais plus vraiment, et que tu ouvres le casier au moment où le tueur veut ouvrir le casier en même temps, bah tu le stun. Ah ouais? Ouais, tu peux te barrer. J'avais acheté un perso, je l'ai joué une fois. Ah ouais? Ouais. Ah, la nouvelle tueuse Vomito. Elle est vraiment pas mal. Il est juste là. Il peut nous voir? Ah non, bah à la base j'ai de l'aveugle, le gars. Ah donc là, si par exemple je viendrai tirer. Bah tirer, c'est pas aveugle. Non mais si je tire, il nous entend. Ouais. Donc il viendrait là. Ouais. Et ça te mettrait dans la mouise. Ça one shot. Coucou gros. Ah, c'est bon, tu peux sortir. Bien, ah, bah ouais. Je suis sorti, hein, je marche juste derrière toi. Je suis en train de lui faire la conversation. Là, c'est ça, un de descendre. Je sais plus. Celui-là, il est là. Et en fait, ici, tu peux descendre. Mais je sais pas où ça nous ramène. Bah, je l'ai pas. Non. Bon, je te suis, hein. En fait, ouais, c'était par là où tu vas. On peut faire le calme. Hop. Ah ouais, t'es pas obligé de l'affronter directement. Non, enfin, tu vas où? T'as juste 2-3 caisses, mais voilà, quoi. En plus, tu peux pas pousser tout seul, quoi. Non. Ah bah, bravo. Vraiment à fond. Il est très rapide pour un truc de cette taille. Alors gros, il est aveugle, hein. Il est pas sourd, hein. Ouais. Il entend très bien même. Là ici, ça mène où? Bon bah infiltration, hein. Et toi t'es de là-bas. Bah moi je suis passé de l'autre côté il semblait avoir quelque chose de plus safe. Ouais, moi je vais m'occuper des insectes. Ben je vérifie avant de dire des bêtises. Pourquoi ils ont mis un truc comme ça ici? Peut-être pour un emblème. Ah non, le passage le plus safe c'est de là où on vient en fait. Donc ouais, c'est plus safe.
Je me cache. Ah, j'ai voulu me cacher dans une poubelle, mais la poubelle était pleine. Je me cache, hein. Parce que c'est toi le spécialiste. C'est bon, il n'y a plus d'insectes. Il n'y a plus d'insectes du tout ? Non. Ok, moi j'arrive. Bien, you. J'apprécie vraiment. Ah, mais si je tire, ça va peut-être l'amener, non ? Merde, il arrive. Il me faut une poubelle. Vite, une poubelle. La porte. Moi, je voulais une poubelle. Je repartais vers la poubelle. Voilà. Alors, en fait, ça, l'emblème, c'est vraiment le piège. Tu me suis foyé. Où tu vas? Il court vite! Parce que. Non. J'ai fait de mon saut. Moi j'ai réussi. Ouais. Chacun pour soi. J'ai envie de dire, tu vois. Tu vois, quand je te dis que ce genre de boss me met la pression. Ah, elle oublie ses coéquipiers, quoi. Elle va pas trop vite? Je crois que. Attends. Ah bah. Badge. Là, faudrait se séparer. Ouais, attends, il y a des armes à droite. Ouais, je. Marche pas dessus. Je marche pas dessus. Merde, il court. Bah, j'ai pas marché dessus. Ah, pas marché sur la glace. C'est bien ça, hein. Ouais. Ça fait un petit bruit cristal comme ça. Ah ouais, mais il y a pas d'autre chemin, si. Attends. Ah si. Ah ouais. Ah bah je l'avais pas vu. Oh, en plus, c'est que ça pour ça, quoi. Moi, je pensais avoir genre un fusil et tout, tu vois. Et tu vas avoir besoin de ça pour la tirer. Ça, j'en avais déjà tout plein. De quoi, des grenades? Ouais, des trucs. Mais je sais pas les activer, même les trucs télécommandés, hein, je sais pas. Bah, moi j'ai marché, voilà quoi. Ah non, c'est moi en fait qui va la tirer. Enfin, non, je sais plus. Tu vas devoir peut-être me faire monter en haut. Ouais, pour que toi en fait. Je lui tire dessus. Attends, non. Tu vas de l'autre côté. Jake. Tu vois là, il y a le corps avec la clé. Ouais, t'inquiète. Moi, je vais la tirer. Mm-hmm. Moi, je vais aller chercher la clé. Voilà. Ok, pas de soucis. Ça va aller. Alors, on va éviter de faire du bruit comme tout à l'heure, hein. C'est bon, j'ai la clé. On dit quoi, enfoiré ? Oh bah, j'ai même pas eu besoin de la tirer. Bon, elle me court après ? Ah bah non, même pas. Non. Eh, full discrétion, t'as vu ? Ces années dans les poubelles m'ont appris à être très discrète. Pas mal. Très joli. Merci bien. C'est pas comme si j'avais fait. Bim. T'inquiète, la porte elle est solide. T'aimes pas la pression? C'était une vraie question. Non, ça va aller. Par contre, qu'ils mettent beaucoup de portes comme ça... Tu vas avoir la pression. T'as dit GGU. Merci.
Ouais, ça j'aime pas, tu vois, genre... Genre, dépêche-toi. Plus vite. Bah, lui, excuse-moi. Plus vite. Dépêche, il va passer. Et tu préviens pas quand la porte est ouverte, surtout, moi. Hein. Bah, ne me préviens pas, hein, fais ta vie, hein, t'as raison. Et ça se dit partenaire. Je pense que je la repère. Dit-elle, elle fait tomber l'échelle et après ça se dit partenaire. Ah bah écoute, c'était chacun pour sa vie. Hein. Oui, après ça se dit partenaire. La porte est ouverte. Si je peux te pousser, je te pousse. Oh putain. Attends, la prochaine porte, c'est moi qui vais aller la faire. Là, tu vas voir la prochaine. Tu vas savoir ce que c'est. Oh non, moi je marche. Quoi, plus vite fait quand même, quoi. Bah, je me dépêche, hein, tu crois que je fais quoi? Et moi, je te mettais pas autant la pression. Hein. Bah, après, tu ouvres la porte. Allez, vas-y, je t'encourage. Ah ouais, là, il y a des QTE aussi. C'est chacun son tour. Ah, ok. Là, c'est moi. C'était R2. Toujours R2 pour moi. Ah, mange ça, mange ça. Alors, R2, analogue. C'est passé à trop peu de choses. Allez, mange ça. C'est bon. On l'a vaincu. De justesse. C'est ce qui s'appelle avoir se creuser le ventre, tu vois. Bouger. Merci. Ravi qu'on soit amis. En avant. Grazie. Par là. Je sais ce que je fais. En arrière. Non. Par là. Je sais ce que je fais. En avant. Mais ça va pas. En avant. Je sais ce que je fais. Bon travail. J'apprécie vraiment. Oh, stylé. Comment j'y fais? Oui. Quand on sera dehors, j'appellerai l'équipe. Elle est sûrement dans le coin. Oh, comment j'y fais? Qu'est-ce que t'as fait? Merci. Ah. Oh. Merci. Oh non. Bon travail. Voilà, c'est comme ça. Stylé. Bon, tant que tu t'amuses un petit peu, hein. T'as pas vu? Si, j'ai vu quand t'as fait le salto arrière. C'est stylé. Je découvre des trucs maintenant. Ah, it's over. Il était temps. Wesker était un parfait imbécile. Un idiot qui a tenté de détruire le monde. Il était également ton père. Quoi? Ce qui fait de toi l'héritier d'un sang vraiment très spécial. Ah.
Oh la vache. T'as 10 morts, quoi. C'est honteux, ça se fait même pas. 4 morts. Et les 4 morts, elle m'a poussé dans le vide. J'ai vraiment eu un skill de merde, hein. Tout ça pour un emblème, là. C'est beau, c'est hein. C'est pas que la faute de l'emblème. C'est aussi la faute du partenaire. Pardon. Oui, c'est aussi la faute du partenaire, hein. Parce que c'est aussi c'est ta faute si je suis morte par là, le fanboy. Parce que tu m'avais pas dit qu'il fallait pas marcher sur la glace. Moi j'ai marché, j'ai continué, hein. T'as pas entendu que ça faisait un petit bruit, non? Non. Oh, ouais, écoute. Dans ce cas, oui, c'est de ma faute alors si tu as pas entendu. Bah oui, hein, c'est de ta faute de toute manière. Oh là là. Mais sinon, c'était pas mal. Là, je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. Ouais. Alors, par contre, demain, pour moi, c'est mort. Mercredi. Si toi, ça te va. Ouais, moi, je fais un jour de toute façon les streams. Ok, ben. Mercredi. Mercredi, on fait la suite et on termine le jeu. Ouais, ça marche. C'est faisable. Voilà, tu vois. On s'entend très bien. Ouais. Attends, t'as pensé quoi du début de Sherry et Jack? T'avais fait ce passage ou pas? Non, pas du tout. Pour te dire, j'ai pas du tout touché au scénario de Sherry et de Jake sur PS3. Clairement pas. Et vraiment pas mal. Par contre, le deuxième, il m'a mis un petit peu la pression. Le fait de toujours être coursé et tout. Bah, c'est souvent ça avec... C'est le scénario de la pression, quoi. Non, après, là, je pense que... Attends. Non, de toute façon, je ne spoil pas. Oh, pardon. Oh là là. Parce qu'après, de toute manière, on va se faire courser une fois quand on va arriver en Chine. Donc sûrement à l'avant-dernier chapitre. Puisque quand on faisait le scénario avec Léon et Elena, il y avait un combat où on était quatre. Et puis voilà, le fanboy était là. Exact. Le passage de Chris, on l'a vu dans le premier chapitre. Et il y en a un autre avec... où on va croiser Chris. Ok. Et en plus, dis-toi que maintenant, il sait que son père, c'était Wesker, quoi. Ah ouais. Ouais, donc c'est pire. Ouais. J'avoue, il était pas fan de Chris et de Pierce, alors là... Là, ça va être pire. Tu verras. Mais voilà, en tout cas, voilà. C'était un bon petit stream. Et puis on... Ouais. Fera ça la suite mercredi. Donc mercredi, 21h à peu près. Jusqu'à la fin. La dernière fois, on l'avait terminé vers minuit. Hein. Ouais, mais je crois qu'on avait, plus avancé non, avec Léon et Elena, non? Non, dans le premier stream, on avait fait le chapitre 1 et 2. Puis dans le deuxième stream, voilà, on avait fait les trois derniers chapitres. Et on avait pris notre temps aussi, donc... Merci à toi, Raiden. Merci à toi également, You. Bah, merci à toi, Deddy, d'être venu. Ben, merci à, même à Oranor d'être resté quand même, hein, c'est beau. Bon, un C, donc je passe du rang S. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, fais un screen au rang C. Ah non, je vais faire le screen quand même. Ah, c'est beau, hein. T'as un C. Puis tu sais, le truc, tu vois, zéro mort. bonne soirée à toi aussi, Oranor. Je te souhaite une bonne nuit également. Bonne soirée. Et merci bonne d'être nuit. Passé, ça fait très plaisir d'avoir de tes nouvelles. Bah là, t'as zéro mort. Non, là j'en ai 10. Hein. Bon, on retire le 1. Mais dis-toi qu'après, moi je vais les refaire en solo juste pour les emblèmes, quoi. Oh, je pense que. Je l'ai déjà platiné sur PS3, alors le refaire sur. Bah, moi, je pense pas vraiment le platiner, mais bon, si je peux avoir 2-3 trophées en plus, tu vois. Voilà, hein, je serais très contente. Déjà, avoir le trophée rien qu'avec toutes les campagnes terminées, ça serait pas mal. Après, le faire en mode sans espoir directement, là, ça va piquer. Sans espoir, ça pique, je l'ai pas fait en sans espoir. Hein. Bon, quand tu fais sans espoir, t'as toutes les armes, normalement, tu dois avoir un système avec les munitions infinies. Sans espoir? Ouais. Non? Non. T'as pas munitions infinies. Oh l'arnaque.
C'est honteux. Ah ouais, sans espoir. Oh, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner, on trouve toujours un moyen. En plus, c'est un mode que j'ai rajouté après, parce que quand moi j'avais platiné R6, il n'y avait pas encore eu sans espoir. Ah ouais. J'avais dû galérer comme ça en professionnel. Déjà, professionnel, c'est déjà hardcore. Moi, je l'ai fait sur Opération Raccoon City, où est-ce que j'en ai bien galéré. Tu laisses tomber, quoi. Tu vides un chargeur dans la tête d'un zombie, il est pas mort. Et dis-toi que je jouais seulement en professionnel. Dur. Après, j'ai abandonné. Raccoon City, je l'ai fait comme ça en chill, quoi. J'ai pas cherché plus loin. Non, moi, je l'ai tout le temps fait en multi, donc... Oui, voilà, c'était beaucoup plus simple. Jamais plus. C'était dommage. Bah moi, c'était 3. On jouait à 3. Le dernier, on mettait toujours celle qui soigne. Mm. Et nous, bah, on s'éclatait tous ensemble. Pourtant, tu vois, c'est pas non plus un RE qui est excellent hein, dans le truc. Mais quand tu le fais en multi, franchement, là, c'est... Ouais, c'est top. C'est comme là, le RE6, RE5 aussi. C'est pas non plus des RE qui sont super bien réputés. Et quand tu les fais en multi, bah, tu t'éclates bien, quoi. Ils sont pas réputés, mais moi perso je les aime, hein, les 5 et le 6. Hein. Moi j'ai aimé aussi. Hein. C'est juste qu'il y a 2-3 trucs que j'ai pas trop appréciés, dont la caméra. Bah. Et caméra je la trouve. Nerveuse pour un gameplay. Bah, en fait, je la trouve beaucoup trop proche du personnage. Ah bon? Puis des fois elle fait des caprices donc. il faut la faculté de terrorisation pour avoir. Plus de 1000, non? Pff, attends. Bah, après, les trucs, je sais pas si c'est vraiment ça. Bah, c'est. Franchement, les. Comment vous appelez ça? Oh. Je crois que j'ai fait une connerie, non? Ah non. Ouais, les habilités, c'est important, hein, mais. De toute façon, pour. Après avoir le niveau 3, faut finir toutes les campagnes quasiment. Et moi, ouais, après, il y a tout ça, quoi. Thésaurie d'un machin là. Je l'ai jamais pris honnêtement. Là. Thésaurisation. Je l'ai jamais récupéré ça. Ah, ceux-là, les ennemis laissent tomber plus d'objets. Ouais. Bon, après, c'est pas. Après, quoi, il va falloir. Après, je sais. Ouais, il faut farmer les points, mais après, je sais pas si les points d'habileté. Par exemple, quand tu les fais en mode mercenaire, quand tu récupères des points d'habileté, est-ce qu'ils sont aussi additionnés à tes points-là ou seulement juste pour le mode mercenaire? C'est dans ce cas, moi je vais farmer le. Il me semble. Ah ouais, bah moi je vais farmer le mode mercenaire comme une truie et puis je vais le faire. Ah, tu vas voir, le prochain coup, tous les trucs vont être là, niveau 3. Ça va être super, hein, tu vas voir. J'essaierai de faire une partie comme ça pour voir si ça augmente ou pas. Ouais, pour voir. Après, refarmer les premiers chapitres juste pour des points d'habileté, ça me fait un petit peu yèche, quoi. C'est chiant. Surtout que tu peux rien faire, quoi. Bon, du coup, moi, je vais couper le stream. Bah, moi aussi, et puis, en tout cas, voilà. Merci à vous d'être passé, d'avoir regardé le stream. Il y aura, comme d'habitude, un format épisodique qui arrivera une fois qu'on aura terminé toute la campagne. La rediff du stream, je pense peut-être la mettre sûrement demain en fin d'après-midi vers 17h. Moi je vais m'en occuper, je vais télécharger la rediff et puis voilà. Ça marche. En tout cas on se dit à mercredi pour, à la, mercredi pour la suite. Et peace. Ouais. Bonne soirée, bonne nuit.